Oui, entrez. Ouais, bonjour. Je viens pour le travail. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Je vais apporter mon dossier. Tenez. Merci beaucoup. Alors, voyons voir ça. Vous avez fait... Rien. Monsieur, c'est de... Ah! Alors, une feuille. Vous avez juste ramené une pochette de je sais pas combien de feuilles pour ça. C'est pas grave, on va y reprendre. Alors. Ok. Il est écrit là que vous étiez boxeur. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais, ça m'a bien éclaté ça. Je tabassais des gens et tout. Mais c'était pas professionnel, c'était juste dans la rue comme ça. Ça a commencé genre un jour. Il y a un gamin, il a pris ma poubelle pour un panier de basket. Et bah moi, c'est sa tête que j'ai pris pour le ballon de basket. Et vous savez quoi ce que j'ai fait? Je l'ai balancé dans la poubelle et après j'ai balancé la poubelle dans un ravin. Il avait bien cherché celui-là, franchement. Voilà. Ouais, donc en gros, on peut dire que vous avez jamais fait de travail de votre vie, c'est ça? Si, j'étais dans la police, hein, mais 2 jours après, j'ai été viré. Parce qu'on m'avait dit que j'agressais des prisonniers. En même temps, agresser des prisonniers, c'est pas agresser quand même, ils ont fait un crime. Agresser quelqu'un qui agresse, c'est pas agresser, c'est juste rendre service, pas pareil. Pas pareil. Oui, mais est-ce que. Alors, monsieur. Jean-Paul, est-ce que au moins vous savez dans quoi on travaille dans cette entreprise? Ouais, c'est faire des dessins dans des journaux d'intello, c'est ça, hein? C'est ça. Avec les trucs de politique et tout, les François Hollande, les trucs. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est presque ça. On fait plus de la caricature politique, de tout ce qui est. De tout ce qui est. Caricature politique. Est-ce que vous savez ce que c'est au moins qu'une caricature? Ouais, c'est ma femme. Je veux dire des dessins exagérés. Donc vous avez une femme, c'est ça? Ouais, j'ai une femme et une fille aussi. Mais après, avec ma fille, je suis un peu déçu. Hein. Mais bon, ce qu'on dit, le fruit ne tombe pas très loin de l'arbre. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Sinon. Vous avez quelqu'un de la famille qui... C'est quoi votre style d'art à vous? Vous connaissez la peinture sur toile? Ouais, et bah moi, je fais de la batte sur tête. C'est un peu la même chose, mais sauf que le pinceau, c'est la batte. Et la tête d'une personne, c'est la toile. Il faut bien appuyer parce que sinon, la peinture, ça se voit pas trop. Ok, bah mon cher Jean-Paul. Vous savez quoi? Vous êtes engagé. Non, c'est pas vrai. Je suis engagé? Non, me dites pas que c'est pas vrai, que je crois pas de ma vie, de ma life, que je suis engagé là. C'est pas vrai. C'est vrai? Non. Si, si, vous êtes engagé. Vous avez toutes les qualités qu'il faut pour travailler dans nos entreprises. J'ai un bon travail pour vous. Je crois que vous allez vous plaire. Non, oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Eh, ma Shrek, elle va être contente. Ma femme va être contente. Au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Merci beaucoup, merci, merci. Ouais, merci, merci. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Ouais, allô Jean-Mi? T'as toujours besoin de quelqu'un pour faire tes tâches ménagères, toilettes, tout ça. Ouais. J'ai trouvé quelqu'un. Il a l'air assez fort. Il s'est utilisé une batte de baseball, donc je pense qu'il s'est utilisé un... Ils vont tous à la toilette, hein. Je pense. Ah, tu cherches encore? T'inquiète pas, je l'ai trouvé. Merci. Son nom?
Jean-Paul. Et apparemment, il a toutes les qualités pour faire ce travail. Hein. Vraiment toutes. Parfait. Je te dis salut. Hein. Salut. Ouais. Et par contre, je sais pas si. Alors, par contre, comment il traite sa femme Voilà quoi. Allez, salut. Salut. Ouais, j'ai besoin d'un doliprane. Il m'a cassé la tête, ce Jean-Paul. Au suivant.